Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma diamond painting pour changer. Non, aujourd'hui j'ai voulu avancer un petit peu, ouais j'ai pas fait grand chose, mais j'ai avancé un petit peu sur ma cascade, voilà. Bon, il me reste un tiers à faire, donc ça va, c'est bien. D'ailleurs, je vous referai peut-être un petit peu ce soir, mais c'est juste pour vous montrer le nouveau stylet sans glu, donc le deuxième. Sinon, bah, rien de nouveau, comme d'habitude. pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il y a le résultat du concours. Donc, encore merci à toutes les personnes qui ont participé. Hein. Donc, je rappelle, vous étiez 135 à participer. Donc, c'est super. Vous êtes toujours nombreux à participer à mes concours. Ça, c'est super sympa. Je vous remercie beaucoup. Et puis bon, je sais que aussi les kits vous plaisent beaucoup, donc c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles vous participez. Donc j'essaye toujours de faire au mieux pour vous faire plaisir. Je remercie également toutes les personnes en même temps. Bon, je vous ai déjà remercié dans cette vidéo-là, dans les commentaires, à toutes les personnes qui m'ont souhaité ma bonne fête. Donc, encore un grand merci. Je ne fais que des merci aujourd'hui. Donc là, je vais vous laisser visionner aujourd'hui la vidéo. En même temps, je vais juste vous montrer une petite chose. Voilà, que je n'avais pas montré. Bon, à la base, c'est un truc pour les enfants. Hein. Mais quand on est fan des Gorgeous, comme moi... Moi, j'adore ça. Et beaucoup de, bah, de scrappeuses. Et puis, ceux qui font du diamond painting, les aiment beaucoup aussi. Vont être contents qu'il y ait ça de sortie. Bon, comme j'ai dit, à la base, c'est vraiment un truc pour les gosses. Parce que, bon, à l'intérieur, il y a des images, il y a des jeux, il y a un peu de coloriage. Moi je vais le prendre surtout ben, pour récupérer les images, voilà, les détourner, faire des choses comme ça. Alors moi je ne l'avais pas trouvé dans ma presse. Quand je suis allée à ma presse, m'a dit ah non, je ne connais pas. Pourtant on est la plus grande presse du coin. Ouais, bon. Hein. il me dit non, j'en ai pas entendu parler et puis on l'aura pas. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Mais j'ai une amie sur Facebook qui habite le même village que moi qui après m'a dit qu'au Carrefour Market, donc chez moi, ils l'ont. Donc pour les prochains numéros, bah, j'irai le chercher là-bas directement. Ce sera plus simple. Donc là, j'ai une amie qui me l'avait envoyé, qui s'était proposé de me l'envoyer. Donc, je la remercie beaucoup, encore une fois, mais je l'ai déjà remercié. Hein. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer, parce que je parle, mais je ne vous montre pas ce que c'est. Donc, c'est cette revue-là. Voilà. Donc, c'est une revue. Alors, je ne sais pas ça va sortir tous les mois, tous les deux mois, tout. Alors, attendez, je regarde ce qu'ils ont marqué. Là, c'est le numéro 1, hein, de toute façon. Donc, c'est bien précisé, presse enfance. Donc, c'est dans... c'est bien fait pour les enfants, normalement. Mais... Non, il n'y a rien de marqué si ça va être tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, je n'en sais rien. Donc, je verrai au fur et à mesure que je le trouve, je vous en reparlerai. Donc, voilà. Donc, c'est ceci. Alors, dedans, il y a donc pas mal d'images de Gorgeous. Voilà, là, c'est pour faire une carte. Ici... Voilà, encore, il y a vraiment des belles images. Hein. Voilà. Là, c'est... Bon, là, c'est pour faire le contrat de mes meilleurs amis. Bon, là, c'est vraiment pour les enfants. Hein.
Il y a la meilleure amie qui signe, et puis voilà, ici, pour faire les bracelets d'amitié, bon, c'est en papier, mais bon, voilà. Ici, là, c'est un petit jeu pour découvrir quel genre d'amis on est. Voilà, mais il y a toujours des pareils, des belles images de Glorious. Il y a une recette. Alors, c'est une recette, les mini biscuits au beurre. Pourquoi pas, hein? J'essaierai de la refaire. Ensuite, pareil, il y a des... Bon, là, c'est sur les saisons. Mais pareil, il y a toujours de très jolies images. Un coloriage à faire. Donc voilà, là, on a le dessin original et le coloriage à faire. Ça, c'est quoi? C'est pareil, c'est un jeu, devine qui je suis. Donc, il y a les solutions en bas de page à l'envers. Mais pareil, là, celle-là, Gorgius, j'aime beaucoup. Elle est jolie. Là, encore un jeu. Voilà. Et ici, alors là, vous le voyez à l'envers. Alors, il y a deux posters, mais alors, ils sont recto-verso. Donc, vous, si vous les récupérez pour les mettre sur votre mur... vous choisissez celui que vous préférez. Donc, il y a celui-là et celui-ci. Voilà. Donc, un joli poster. Donc, le deuxième, je ne peux... Je ne sais pas trop bien vous le montrer, mais voilà. Donc, c'est une sirène. Hein. Voilà. Donc, et voilà sa tête et son corps. Ici, alors ça, j'aime bien... Il y a deux pages, hein, plus peut-être, je ne sais plus. Non, deux pages. Alors, de petites cartes comme ça. Alors, je trouve que c'est pas mal les récupérer pour faire des ATC. Voilà. Vous voyez, il y a deux pages comme ça de cartes. Là, encore un petit coloriage à faire. Bon, là, c'est pour faire une petite roue soi-même, un petit jeu. Voilà, il y a la petite flèche en bas à découper, la roue à découper. Mais bon, voilà. Là, encore une Gorgius. Bon, moi, c'est pas pour les jeux, hein, c'est surtout pour les images. Ici, pour apprendre à dessiner une Gorgius. Donc, on la redessine là, ils expliquent les différentes étapes pour la dessiner. Et ici, raconte-moi une histoire, voilà. Et là, il y a encore, on peut, c'est encore une belle image, voilà. Ici, avec les constellations. Et ici, voilà, encore un petit coloriage. Et là, pour apprendre à faire une broche, la broche de Gorgius. Voilà. Alors, c'est peut-être marqué ici. Alors, c'est écrit petit. Alors, bon, c'est du papier recyclé, 100%. Donc, voilà. Éditeur, directrice. Non, ils ne disent pas quand est-ce que ça... Combien de fois ça va être diffusé. Le mois de parution ici, bah, c'est septembre 2020. Voilà. Mais ils ne disent pas la date du prochain. Non. Bon. Voilà. Et ici encore pour faire une carte. Et dedans, il y avait des cadeaux. Une planche de stickers, comme ceci. Alors, j'ai remarqué que, en regardant sur Internet et en voyant des filles qui avaient mis la photo,
que les cadeaux sont pas toujours les mêmes. Il y a toujours la planche de stickers et le petit carnet avec le stylo, comme ceci. Mais des fois, c'est pas le même. C'est pas les mêmes dessins. Voilà. Alors, le carnet. Voilà. Donc, vous avez le petit stylo accroché avec un élastique. Et le carnet. Oh, ça fait rien. Et le petit carnet, voilà. C'est ça. C'est des pages comme ceci. Bon. C'est bien. Ça peut servir. Donc voilà. Puis bon, les petits stickers sont jolis aussi, hein, pour mettre dans un planeur ou voilà. Et puis bon, on a encore une belle image derrière à récupérer. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Ça fait quelques jours que je l'ai, puis j'avais pas encore pensé à vous le montrer. Alors par contre, le prix pour celles que ça intéresse, bon, c'est pas pour rien malheureusement. C'est 5,99 €. Voilà. Bon, c'est du Santoro, hein. Santoro, c'est cher. Donc voilà. Allez, je vais maintenant vous laisser visionner la vidéo. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt et mettez des commentaires et des petits pouces. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.